Tu as pris les clés, Ludo, de la belle-fille, oui, le carnet, on en a beaucoup de ça. Eh ben allez, bonjour, moi c'est Loïc, et on a créé avec mon collègue David le Tipeee en septembre 2020. Vous demandez peut-être encore ce que c'est ? Bah, écoutez et regardez, et vous allez comprendre. Bonjour, moi c'est Doris. Depuis 2021, je suis dans les Tipeee. Eh bien, j'aspire, eh bien, ça me fait très plaisir d'être là. Et là, on arrive au marché Saint-Paul. On va faire les Tipeee, on va voir les commerçants. Et c'est là qu'on va offrir des cafés, du thé. On parle avec les commerçants, avec des gens. On sert tout le monde. Un café, un thé, et bien voilà, ça, convivial. Et moi, j'aime bien ça. Et j'adore. Parce que j'aime bien communiquer avec les gens, parler. Alors le Tipeee, ça veut dire tente d'intervention pour un vendu. Voilà, c'est un petit truc qu'on avait trouvé avec mon collègue David. Et l'idée en fait, c'est de faire du glanage. On avait remarqué que des gens venaient faire du glanage sur le marché Saint-Paul et ils le faisaient de manière individuelle et souvent un petit peu à la sauvette. Et nous, on a voulu essayer d'organiser ça de manière plus collective et plus positive, plus valorisante. Et là, on est là, on va installer des tables, des bonhommes, des paniers. On attend l'air. Comme ça, on va voir les commerçants. On va récupérer des légumes, des fruits, ce qu'eux, ils nous donnent. Et après, on distribue aux gens qui viennent. Mais tout le monde peut venir chercher un ticket. Et puis là, on partage. Et ce lien, il est pour le coup vraiment primordial. Puisque le Tipeee, ça repose sur les invendus des commerçants. Et c'est une chose essentielle, c'est qu'on a une opération d'anti-gaspillage et pas une opération de charité. Et le Tipeee, c'est aussi un atelier un peu de conscientisation sur les circuits alimentaires. On est par exemple impliqué dans la création de la sécurité sociale de l'alimentation. Et là, vous voyez, on trie, on nettoie, on met des cagettes pour partager. Et puis, on attend que les gens viennent. On va distribuer aux gens qui venaient. Et c'est comme ça qu'on fait tous les mardis et les vendredis. Donc, vous voyez, on récupère plein de choses. Des fois, beaucoup, des fois, beaucoup moins. Mais ce qui compte, en tant que centre social, pour nous, c'est pas de remplir des cagettes. Ça, c'est un peu le hasard des choses. Pour nous, ce qui compte principalement, c'est le lien social. Faire que les gens se rencontrent, qu'ils puissent partager un espace, être bien ensemble, c'est aussi ça notre boulot au centre social, en fait. On est dans un quartier avec beaucoup de cultures différentes, et le Tipeee, c'est un endroit qui brasse des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Et pour ça, c'est chouette. Et on essaye d'être ensemble et d'avancer ensemble. Et puis voilà, c'est bientôt la fin du Tipeee et là on fait la distribution. Et quand je dis « on », il n'y a pas de frontières. C'est vraiment les bénévoles, les habitants du quartier qui faisons avec nous, ensemble. On est tous ensemble. Merci à vous d'avoir pris ce temps. Merci, au revoir.